était là depuis, grand-mère était debout. Hello, j'espère que vous allez bien. Franchement, ne calculez pas ma tête. Je commence ce petit weekly vlog mardi. Normalement, demain, ma grand-mère devrait être là. Elle m'a appelé pour me confirmer son arrivée. Et comme ma grand-mère est très capricieuse, il faut que j'apprête son arrivée, ne serait-ce qu'avec un bon petit repas. Parce que ma grand-mère, elle est compliquée niveau cuisine. Comme elle-même, elle fait assez bien la cuisine. Là, quand tu ne fais pas bien la cuisine, elle te critique. Hier, j'étais chez Carrefour du Grand Mall pour faire quelques achats. Mais je pense que je vais vous faire une vidéo complète parce que j'ai quand même acheté plein de petits trucs mélangés avec tout ce que j'ai acheté aussi la semaine dernière dans le weekly vlog précédent. Parce qu'en regardant les rushs, je me rends compte que je ne vous ai pas montré en fait ce que j'ai acheté. J'ai fait les brocantes, j'étais au China Mall et hier j'étais au Grand Mall. Donc je pense que je vais faire une vidéo où je vais vous montrer tous mes petits achats du mois de juillet. J'ai envie de faire un petit bain d'huile. J'avais acheté ça à Super U. On m'a dit que c'est très efficace pour les pellicules parce que moi j'en souffre énormément. J'ai l'impression que mes cheveux ne poussent pas. Depuis que c'est là, ça ne bouge pas, c'est toujours statique et tout ça, c'est... Ça m'énerve, ça me décourage parfois et je suis tentée de défriser, hein, sérieusement. Et ce qui me décourage en fait avec le défrisage, c'est que ça m'a tellement abîmé le cuir chevelu que maintenant, j'ai même peur. Si le défrisage n'était pas vraiment nocif pour mon cuir chevelu, hein, c'est que j'ai à défriser depuis, sérieux. Et comme je ne m'y connais même pas trop, à part peut-être faire les masques, je n'ai pas une routine... Je ne peux pas dire que j'ai une routine complète, hein. Tout ce que je fais, c'est de faire mes masques... les hydrater de temps en temps, faire les bains d'huile comme ça, mais sinon, je n'ai pas de routine proprement dite. Je suis en train de regarder les vidéos pour voir aussi comment les autres font. Partagez vos routines, hein. Peut-être ça pourra m'aider, je ne sais pas. Je vais vous montrer rapidement ce que j'ai acheté. Finalement, j'ai décidé de faire les boulettes à ma grand-mère. Et je vais lui faire une sauce tomate hachée avec des boulettes, avec le plantain frit. Donc voilà. Est-ce que ça tourne même? Je n'ai même pas vérifié. Ouais, ça tourne. Donc, déjà voilà ma viande hachée. J'ai acheté ça chez Carrefour hier. C'est combien de grammes? Je crois 500 grammes que j'ai pris. J'ai pris les plantains. J'ai pris la citronnelle parce que saison de pluie égale à tisane. Et moi, j'adore la citronnelle en tisane, j'adore ça. J'ajoute généralement un peu de citron et du sucre. Donc, je vais me faire ça pendant toute cette semaine, tous les soirs. Et c'est aussi bien pour la perte du poids. Donc, j'espère que ça me fait partir ce ventre qui accouche les bébés. J'ai pris de l'ail. Ça, c'est 100 francs. J'ai pris... J'ai enfin vidé mes couteaux. Parce que... Oh là là! Mes couteaux étaient déjà comme les jouets ici. Donc, voilà. J'ai limé mes trois couteaux. Il m'a pris... 250 pour limer les trois couteaux-ci. J'ai pris céleri, poireau. Ça m'a coûté 50 francs. Je trouve que c'est moins cher. De toutes les façons, les condiments verts, je les trouve toujours moins chers. J'ai pris la tomate. La tomate aussi, en ce moment, n'est pas très chère parce que ceci. Ce sont des bonnes tomates bien dures. Ceci m'a coûté 250. J'ai pris le Saint Graal. Le Saint Graal. 1500 la bouteille. Donc, tout le reste des petites épices-là, j'ai déjà ça ici à la maison. Comme... L'huile devient de plus en plus chère là. Et je ne m'en sors pas très bien quand je fais bouillir, quand je fais frire les boulettes dans l'huile. Donc je voulais vous montrer comment
J'assaisonne mes boulettes, tout ce que je mets. Normalement, je mets de l'ail, du poivre, les herbes de Provence, le curry et un peu de cube. Sauf que j'ai décidé d'arrêter de faire la cuisine avec le cube. Donc, je n'en mettrai pas. Je mets du pain et un œuf. Je confectionne des boules, je les mets sur ma plaque et j'enfourne pendant quelques minutes. Les boulettes sortent vraiment très. Ça reste rond et ça ne sèche pas complètement. Je vais bien malaxer ma viande et comme je suis déjà en retard, j'ai déjà traité tous les condiments, j'ai découpé les plantains, j'ai assaisonné ma viande. Je vais laisser comme ça pendant la journée parce que là je dois aller bosser. Donc à mon retour du boulot, je vais revenir former les boulettes et ensuite je vais directement mettre au four. Et comme ça, ça va permettre aussi au pain de ramollir. Et après, je viendrai encore bien mélanger pour confectionner mes boulettes. De toutes les façons, on va se reprendre tout à l'heure parce que là, il faut vraiment que je m'apprête pour partir. Je suis prête pour aller au boulot. Voilà. J'ai mis mon petit kaba que vous connaissez déjà avec ma petite sandale. C'est rapide et pratique d'avoir les petits cabas comme ça. Quand tu es pressé, tu lances ça seulement sur toi et tu pars. Je suis vraiment en retard aujourd'hui. Je vais revenir dans la soirée pour continuer à faire la cuisine. On va finir la cuisine là ensemble. Je pense que je n'ai rien oublié. J'ai pris l'argent, les clés. Parce que moi, j'oublie tout le temps. Donc, il faut que je me répète ça tout le temps dans ma tête comme ça. Sinon, j'oublie tout. Donc, c'est bon. Est-ce que vous savez qu'il y a des fois où je suis allée au boulot sans argent dans le sac? Genre, je suis arrivée et je fouille, je ne trouve pas l'argent. Donc, franchement, ce sont des trucs qui m'arrivent tout le temps. Donc, j'ai pris comme habitude de vérifier tout. Comme par exemple, ça, j'éteins. De vérifier tout avant de partir. Donc, je m'en vais. Je dois laisser la clé à la nounou de Enzo parce que c'est elle qui ira chercher ma grand-mère à l'agence. Tu es là depuis grand-mère et tu es debout. Tu n'étais pas mince. Aïe, c'est beaucoup. C'était tout ça, c'est pour qui comme ça? Ah, ok. C'est comment Bobo Lélé? Ça va bien. Ah, mais comme c'est le pain de Zamba. Finalement, moi-même, je suis allée chercher grand-mère à l'agence parce que je suis rentrée un peu plus tôt que prévu et on est en train de rentrer à la maison. Maman nous a ramené beaucoup de provisions pour aller déballer les sacs tout à l'heure. Mais qui va porter ça? Il y a les bagages. Tu me dis que tu manges le cacao et moi je mange le poivre. Sortir dans mon vlog. Ok, ça va alors. Mais tu es ma grand-mère, non? Tu veux pas que mes abonnés voient ma grand-mère? Demande à ma grand-mère, mes abonnés. Voilà ma grand-mère. Bon appétit, grand-mère. Bobo Lélé, bon appétit. Bon, nous sommes à la maison. J'ai fini de faire la cuisine. Comme vous voyez, grand-mère et mon petit cousin sont en train de manger. J'ai encore mes plantes en potée. J'ai acheté de nouvelles plantes aujourd'hui, mais je ne vous montre pas. Vous allez voir ça dans la vidéo haul avec tous les autres achats que j'ai fait pour le mois de juillet. Donc voilà.
On va causer avec ma grand-mère. Elle va me raconter tout ce qui se passe souvent là-bas au village. Tout de A à Z. Normalement, demain, grand-mère doit rentrer. Elle ne rentre pas. Mon oncle qui est à Bonabéry, là, viendra la chercher. Et grand-mère, tu rentres même quand? Donc, elle est à Douala pour passer du bon temps. Elle ne sait même pas quand elle va rentrer. Donc, voilà. Si on ne se voit pas ce soir, on va se voir demain pour la suite du weekly vlog. Voilà. Laissez mes likes parce que vous-même, vous voyez comment je fais des efforts. J'ai dit ça dans le taxi tout à l'heure. Grand-mère m'a ramené les provisions, les bâtons de manioc. Je vais vous montrer ça demain. Les bâtons de manioc, le mbwampum. Parce que c'est que j'aime beaucoup le mbwampum. Le héros. Quoi encore là? Le coq. Quoi encore? Je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. C'était trop bon. On a mangé le héros tout à l'heure avec plein de... Vous connaissez. C'était trop, trop bon. Donc, voilà, je vais vous laisser. Il y a ma mère qui appelle. Je vous laisse. Bonjour. Comment vous allez ce matin? Moi, ça va. Il est midi, là. Hier, je n'ai pas vlogué. J'ai pas vlogué hier, mais aujourd'hui, je vous reprends. Là, je suis en train de m'apprêter pour aller à la CNPS. J'ai envie de voir comment ça se passe parce que depuis, je n'ai pas reçu mes allocations familiales. Et je me souviens que l'année dernière, ils m'avaient envoyé les allocations de toute l'année accumulée. Aïe, il y a un cafard qui est en train de monter là-bas. Ich, c'est trop moche. Aïe, et j'aime pas tuer les cafards. Les cafards n'ont pas de sang. Je préfère tuer les cafards avec l'insecticide que de taper comme ça. J'aime pas. En fait, j'aime pas les insectes. Tout ce qui est cafards, araignées, mouches, moustiques, j'aime vraiment pas. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Voilà, je disais que je vais arriver à la CNPS. C'est mamie Héro qui est en train de passer. Et je disais, elle me demande toujours si je veux manger. Non. On a tendance souvent à négliger les allocations familiales, mais il faut savoir que lorsque c'est accumulé à l'année, ça fait quand même une somme qui peut aider. Voilà. Donc moi, ce n'est pas un truc que je laisse passer. Et comme je n'ai que le temps pendant les vacances, c'est pendant les vacances que je gère souvent ce dossier-là. L'année dernière, ils m'ont fait un versement annuel, mais après, je n'ai plus rien reçu. Donc, je voudrais savoir comment ça se passe. Voilà. Je suis prête, il reste juste que je porte les chaussures. Je vais porter ma petite tennis blanche là et on va partir ensemble. Je vais vous cacher parce que quand tu filmes dans la rue là, les gens te regardent toujours un genre comme si tu es perdu dans la nature. Donc je vais vous amener avec moi quand même et on va essayer de vlogger tout ce qu'on pourra quoi. We express the same things, but with different words. We acknowledge the same curve, and those might have hurt. It's like the last line you draw to remind a past time. A fast-minded feeling of freedom, please do be recognized. And I get it, your doctor's calling from here to saying. Kill bias and dependency, an ocular seal. Cause he armed himself with stealthy mass appeal. Where's my muse? If it's like every word slipping through my mouth has been used. Stagnant like the old man feeding a dirt. With my glass, I've reflected half the things that I've learned. A windowless frame in a transparent room. Filling up cracks with plastic assumes. A shape shift, a nuance, a venue. Stop dreaming cause this ain't over. Wreck up your life until you get sober. Don't stop dreaming cause this ain't over. Bonjour, excusez-moi, je viens pour prendre les renseignements pour les allocations familiales. Ok, merci. Je peux venir. Merci. Je viens de prendre un renseignement, madame. Ok. L'année dernière, j'ai constitué mon dossier pour les allocations familiales. Et j'ai reçu un versement en août dernier pour les allocations familiales de mes enfants. Mais depuis, je n'ai plus reçu de versement. Bon, je ne sais pas, j'aimerais bien savoir ce qui se passe. Pour... C'était, je ne me souviens pas de la date exacte, mais je me souviens du mois. Et c'était en août.
Ou 2021. Oui, ou 2021. Vous avez déposé pour les deux enfants. Oui, pour les deux enfants. Ma fille a 11 ans, bientôt 12 ans, et mon garçon a 2 ans. À 2 ans. Mm-hmm. Donc vous allez déposer les pièces pour les enfants. En fait, pour entretenir les droits que vous avez ouverts. D'accord. Vous prenez le dossier là, ça s'appelle pour les enfants. D'accord. Donc maintenant, il faudra les enfants. Comment est-ce que vous tenez ? Chaque octobre. Au moins, jusqu'en septembre, parce que les pièces d'octobre. La dame a été très gentille. Elle m'a expliqué en détail ce qu'il me faut pour pouvoir recevoir mes allocations familiales. Ensuite, je me suis dirigée chez Carrefour. Carrefour Bonamou Sadi, parce que je cherchais un article. Et d'ailleurs, c'est l'une d'entre vous qui m'avait conseillé d'y aller. Bon, il y a parce que je cherche ici chez Carrefour. Je doute fort qu'il y en aura à Super U. On m'a aussi conseillé d'aller à la douche. Oh, c'est fini. Malheureusement, je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. Mais j'en ai quand même profité pour faire quelques achats skincare pour les enfants et moi. Hello, on se retrouve dans la soirée. J'ai envie de me faire à manger. Je vais baisser le volume. Voilà. Je vais faire à manger et j'ai pris tous les légumes que j'ai dans mon frigo, que j'avais, tout ce qui me restait. On a une aubergine qui n'est plus très très jeune, des carottes aussi qui ne sont plus très jeunes. On a de la tomate, on a la tête de poireau, un peu de céleri, des petits pois, tomates. Voilà, vous avez compris le délire. Je vais me faire un petit riz aux légumes et je vais manger ça ce soir. Je vais mettre un peu de sardine parce que j'ai un peu de sardine là. J'ai un peu de sardine qui me reste. Ensuite, j'ai bien envie de me faire une tisane à la citronnelle. On va aller en cuisine. Bon, j'ai pas besoin de vous montrer tous les détails parce que je sais que vous savez quand même faire le risotto. This morning, the last thing I thought I'd be thinking about would be you. I opened up the blinds and saw your hair tied on my windowsill. Not gonna lie, haven't talked to you in a while. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Je sors de Carrefour. J'ai fait une marche sportive ce matin. De la maison jusqu'à Carrefour, ça m'a permis de bien me défouler parce que cette semaine, j'ai vraiment pas fait grand-chose au niveau sport. Donc, je voulais un peu bouger, un peu, parce que mon corps me demandait de bouger. Je vais rapidement faire les gâteaux là parce que là, il est déjà 14 mois et je dois partir avec les filles, mes nièces et Ange, au marché tout à l'heure. Je vous prends à minuit 30 même. Donc, on peut dire que nous sommes déjà dimanche. Nous sommes déjà dimanche et là, je suis apprêtée pour sortir parce que je vais rejoindre ma petite soeur et mon beau. Ça fait longtemps, on n'est pas sortis ensemble. Donc voilà, ils m'ont invité quelque part dans un cabaret là-bas, Bonamou Sadi. Je vais les rejoindre et je vais quand même vous montrer ma tenue parce que je me trouve trop jolie. Tout à l'heure, j'étais au marché avec les filles. Je me suis prise de cette petite robe que je trouve très simple et très jolie. Et voilà, donc je vais vous mettre mon look là quelque part et je vais quand même vlogger cette soirée ou début de journée, je sais pas trop, mais bon, je vais quand même vlogger cette petite sortie et je vous montre mon look parce que je me trouve vraiment trop mignonne en fait. Some people.
Oh!